Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Je vous propose qu'on passe à une petite interview, vrai ou faux, pour vérifier des trucs un peu, drôles que j'ai lus sur toi, parce que sur internet il se passe pas mal de choses. Je vais essayer de boire. Je vais boire. Voilà, c'est pas toi qui, c'est les mecs qui vont essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est nous qui jouons. D'accord. Ah, eux ils disent oui, vrai ou faux. Exactement. Et toi tu dois confirmer quoi, confirmer ou pas. Si ça a été validé, il gringue encore, c'est ça. Fais ce qu'il veut avec sa guitare. Il est libre. Les gens vont en avoir marre. Il a toute ma confiance aujourd'hui, Maëlligue. Alors, première affirmation. Donc je baisse les yeux pour pas qu'il capte si c'est vrai ou pas. Je sais pas si t'es bon en poker ou pas. Hein. Oh non, ça... Un fan lui a déjà demandé son slip. Bah je sais que c'est vrai, c'était moi. Y a pas trop de. Ça dit vrai. Mais moi je suis persuadé. Moi je pense que vrai, ouais. Parce que moi on m'a déjà demandé des chaussettes. Alors imagine à lui. On t'a demandé des chaussettes, mais enfin pourquoi? Un mec sur Insta, il a insisté, il m'a envoyé mais genre une vingtaine de messages. Je veux des chaussettes, on va mettre tes chaussettes. Bah pourquoi tu m'as jamais répondu alors? C'est relou. Mais je pense qu'il voulait faire des trucs chelous avec. Donc à mon avis, si on me demande mes chaussettes, vu mes pieds éclatés, on a dû demander son slip. Alors réponse. Il faut que tu parles dans le micro. T'es parti chercher ça où? Sur internet, c'est un des premiers trucs qu'on tombe, je te jure, quand on tape ton nom. Ça je n'ai pas la personne. C'était dans les gros sites. C'est chelou, ouais, comme ouais. C'est vrai? Ouais. Non mais c'est vrai pour de bon. Ouais, chaussettes et slip. Ah les chaussettes aussi. Ouais, j'ai gratté ma tête, j'ai dit attends, il sait que ça pue. Mais c'était payant ou pas? Enfin il t'a proposé de l'argent et tout. Combien? Hein? Combien il te proposait? 500 balles. Mais non. Mais non. Ouais. Vas-y, donne-le pour 20 euros, je lui donne tout ça avec des conditions de ouf. Ah, fallait que ce soit porté. Ouais, avec une photo de lui dans le slip et tout. J'ai commencé à rigoler, je me suis dit non, le gars. Et puis quand il arrive à 600 euros, là, j'ai commencé à négocier. Et le mec, il t'a contacté sur quoi? Sur les réseaux sociaux pour te demander ça? D'accord. Et tu lui as pas envoyé, j'imagine? Non. Si, si. Mais j'ai négocié. Je me suis dit non, je vais lui envoyer, il va m'embarquer aussi. C'est énorme. Hyper flippant. Non, par contre, il va pas proposer d'oseille. Je pense que. Ouais, non. À toi, c'était genre vraiment, tu lui envoies les chaussettes gratos, quoi. Une paire de chaussettes, s'il te plaît, envoie-moi une paire de chaussettes. Le mec ne te respecte vraiment pas, quoi. Zéro, genre. Mais les mecs, je vais ouvrir des Vinted, des comptes Vinted à vos noms, ça va. Ah non, mais c'est le business des sous-vêtements portés, c'est un truc qui existe vraiment, genre vraiment. Moi j'en ai en Asie. Il y a des films sur ça. Bien sûr. Il y a même des films de reportages et tout. Sarah a fait une enquête sur France 2 là-dessus. C'est horrible. Des chaussures. C'est même, t'as les cheveux aussi. Justin Bieber, il avait vendu des cheveux, je crois, une mèche de cheveux. Quand il s'était coupé les cheveux à l'époque, tu sais, il avait sa mèche. Il avait vendu, je sais plus combien de millions, genre je crois c'était un truc de 1 million en Chine et tout. Ça, c'est un objet de fan, tu vois, vraiment, c'est ouf. Mais ça reste les cheveux. Non, mais les cheveux, elle aurait été capable de les acheter, tant petite, les cheveux. Moi, quand j'étais môme, quand j'étais ado, mon père, il me trimbalait sur les plateaux télé parce que j'étais fan des Tobéfries, que je voulais aller les voir. Et c'est vrai qu'en général, quand on s'en allait des plateaux, comme j'étais dans les loges avec eux, souvent, je repartais avec une canette de coca dans laquelle Philippe avait bu, comme ça, tu vois. Et elle mettait tout dans son agenda. La part d'une chose en série, ça, c'est quoi? C'est le placard magique. Là, c'est un poil de vie. Ça, c'est le chewing-gum de Philippe. Non mais le plus flippant c'est les conditions. Ouais, bien porté après le sport, transpire bien, c'est vraiment sale. Et tu lui as répondu pour poser des questions, pour essayer de comprendre? Bah oui, au début je me suis dit c'est quelqu'un qui se fout de moi, une blague, tu rigoles, j'allais au bout et c'est un pote pour voir. Après elle commence à flipper, tu dis bon attends, il m'a géolocalisé, merde. Je dis non en fait non je vais pas te le faire. Si je te mets 500 balles, combien tu veux? 1000. J'ai dit non excuse. Tu lui as demandé ce qu'il voulait en faire? Non. À partir de quelle somme t'aurais accepté? On a tous un prix. Moi, 600. Bon, là, je vais casser. Bah, franchement, à partir de 100 000 balles, 150 000 balles, évidemment, je te donne. 150 euros, je le fais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon. Ok, donc c'était une info du coup. Très bien. Ensuite, donc deuxième information, il a beau courir très vite, il n'a jamais réussi à rattraper un pickpocket qui lui avait fait les poches. Vrai ou faux? Franchement, dans la rue. Moi je sais. Ok, t'as eu les couilles de lui faire les poches? Moi je sais. Parce que j'ai vu hier en préparant ma bio, mais. Donc c'est vrai ou c'est faux? Bah du coup, il a réussi à le rattraper. Tu as réussi non à le rattraper? C'est ça. Et le mec ne savait pas. Le mec il est quand même tombé. Le mec il est tombé sur. Le mec est tombé sur un des mecs qui court le plus vite au monde, tu sais. Genre le mec a vraiment la poisse quoi, avec les millions de personnes qu'on est sur Terre. C'était en Angleterre non je crois? Non c'était là. C'était en France. Dans le métro. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pris? Ouais il a pris dans ma poche. En fait j'étais accoudé à la barre comme ça et j'avais deux téléphones. J'écoutais un message vocal et je répondais à mon entraîneur qui est aux États-Unis. Donc je parlais un peu en anglais, on va dire. Donc il a cru que t'étais un touriste. Et j'étais, ouais, voilà, il m'a pris pour un touriste. Et puis du coup, je regardais sur le téléphone et là, il y avait ma poche qui était un peu ouverte. Et puis au moment où ça fait, il a pris dans ma poche ma sacoche avec toutes mes cartes bleues et il a commencé à partir. Et là, c'est monté. Là, tu l'as rattrapé. Le faux départ, pas... ouais, là, je suis parti. Quoi, tu l'as défoncé, genre? Le mec, il a mis de partir sur le top. Et je lui ai pris son téléphone. Ouais, je suis sorti, j'ai poussé les portes. Je l'ai balayé, il est tombé. Franchement, pris, et puis je dis, mais malade. C'était un rhum. Ouais, mais moi je suis pickpocket, je vois Ladji, je vois l'Alban. Je suis... Mais qu'est-ce que tu parles de ton goûter? Mais non, mais moi je vois Ladji, je dis, ouais, c'est pas grave, je préfère prendre l'Alban, même si il a failli. Bah oui, mais je comprends, ça a failli passer. Ouais, il a failli. Parce que la porte elle s'est fermée là. Tu lui as dit à la fin, genre, hé, j'ai fait 10 mètres. Champion du monde, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais à la fin, le rhum lui a demandé un autographe. Il a fait, frérot, tu veux pas signer? Ok. Il est le cousin d'un célèbre footballeur. Ah, ça je sais pas. Je crois que j'ai déjà entendu ici. Moi je pense que c'est faux. Tu nous fais la petite musique. Ou c'est peut-être vrai. Je suis sûr que c'est un joueur de l'OM, hein? Parce que je sais qu'il est pour le PSG donc. J'ai déjà entendu un truc comme ça, ça me parle. Moi je dirais oui. Moi je dirais que c'est vrai. Alors vrai ou faux? Ouais, il a joué au Stade Rennais et là il joue à Watford. Redis-nous son nom parce que alors moi je suis Abdoulaye Doucouré. Il joue en Angleterre, Abdoulaye Doucouré, il joue en Angleterre, il est à Watford là en ce moment. Il a quel âge? Il est plus jeune que toi? Là il a 27-28. Il a joué longtemps au Stade Rennais, ouais. Il a été formé là-bas et puis... Donc il gagne ça ouais. Et toi à la base tu voulais faire du foot, c'est ça? Ouais, comme beaucoup, sauf le foot voulait pas de moi. La plupart des gens qu'on interviewe, j'ai l'impression ils ont tous voulu être footballeurs jusqu'au jour où ils sont pété le tibia. Ouais, et croisés. C'est ça, les ligaments croisés. Ça, non, moi j'ai marché sur un Lego. Oh, j'ai marché sur un Lego, du coup impossible. Non, ouais, bah, je voulais m'essayer à ce sport comme beaucoup et puis non, ça pas. Ça à côté de ça, tu faisais quand même de l'athlétisme. Bah, en fait, je voulais faire de l'athlé pour courir plus vite pour le foot. Ouais, pour ta condition physique. Ah. Ouais, si c'est à la base. C'était de l'entraînement en fait pour le foot. Ouais, je me sentais un peu plus malin que les autres.